C'est bon, il est parti. Oh, la tronche du Dirlo quand il va voir qu'on s'est évadé. Allez, psh, la chèvre. Hé, Jack, les grosses cordes, c'est les chèvres ou... Les béliers. Alors, beau brun, on est tombé du lit. Bonjour, madame. Middleton, vous êtes cerné. Le problème avec les caniches, c'est qu'ils mettent des poils partout. Chers détenus, dans le cadre d'un stage de réinsertion, nous allons vous initier à un stage agricole, dirigé par Miss Felicity Jane. Alors les boys, pas d'amateurs? Yeah! Quelle envie d'apprendre! Avec cette pagaille, on s'évade les doigts dans le nez. Allez hop! Tout d'abord, la tonte des moutons. Il faut effleurer la peau, doucement, sans se presser, avec doigté. Compris, les gars? Alors, à qui le tour? Personne ne surveille, c'est le moment. Ah, les chihuahuas, c'est pas mieux. Plus ils sont maigres, plus ils aboient fort. Allez, on y va! Bah alors, vous venez ou quoi? Allez, on se casse. C'est Saint-Bernard. C'est fini, Choupépé. Elle est partie, la grosse abeille. Allez, c'est l'heure du bain. Il est costaud, Choupépé. Ça me donne une idée. Je fais quoi déjà, Joe? Tu la tires comme à la corrida. Il fonce sur toi, tu l'esquives et il défonce la porte. Pigé. C'est quoi la corrida? T'agites le mouchoir. Allez! Nous allons clore notre stage par une initiation au rodéo. Avec Brutus. Vous devrez tenir au moins 8 secondes sur le taureau. Et celui qui tiendra le plus longtemps aura droit à un baiser. Oh, ça me saoule la campagne. Dis donc, le nain, on était là avant. Dégage! Non, mais je rêve. Bizarre, ça sent l'évasion. Ouais! Les mecs, ce soir, on dîne en ville. Premier candidat, c'est parti! Candidat suivant! Ha
Au tour du dernier candidat, on l'applaudit bien fort. Quelle complicité avec la bête. À nous la clé des champs. Incroyable! 1 minute et demie, voilà notre grand gagnant! Oui, tout le monde va rentrer dans sa cellule. Minute! Tu m'as tellement manqué, mon Biquet. Waouh! La cellule! On pique les clés et on se taille. Moi fort! Tu vas nous faire repérer! Une sonnette à l'intérieur, c'est idiot. Enfermez-les dans leur cellule et mettez-leur les boulets. Avril, la prochaine fois, fais-moi penser à te laisser dormir. Jeune homme svelte, emploi stable, cherche jeune femme polie, économe, aimant l'ordre et la vie en communauté. Le directeur a passé une petite annonce. C'était sur son bureau. Ça me donne une idée. Monsieur le directeur, une visite pour vous. C'est votre annonce. Peabody, Melvin Peabody, directeur de pénitencier. Et vous? Samantha! Samantha Big Pot! On vous a déjà dit que vous aviez un air de Dalton? Les Dalton? J'adore! Surtout Joe! Il a l'air si intelligent. Vous voulez parler du petit teigneux? Non, le beau gosse! Oh. Ah! Je vais vous décoincer. Non, mais ça va pas! La région est infestée d'Indiens. Vous allez dormir ici. Votre chambre est juste à côté de la mienne. Mon petit Melvin, je crois que tu es un ticket. Joe! Rentre vite, ça va être la pelle! Tout va bien, Samantha? Ça y est, demain je dîne avec lui. Et vous savez quoi? C'est nous quatre qui ferons le service. Vous bougez pas?
Ça veut dire que c'est un bon moyen pour s'évader. Nous quatre, avec le Dirlo et sa fiancée. Et comment tu pourrais être les deux à la fois? J'y avais pas pensé. Elle est en retard. Ça veut dire qu'elle va venir. Ils sont combien là-dedans? Il y a un mystère là-dessous. Ah, Samantha, vous voilà. Eh bien, où est Joe? Vous savez, les grands voyous sont souvent très timides avec les dames. On sent que vous avez reçu une éducation des plus distinguées. Et si on allait faire une petite promenade? Une promenade clair de lune, vous et moi, seuls. N'y crainte, je suis armé. Rends en plan, mon vieux. T'es sur la bonne piste. Mince, la pluie. Manquait plus que ça. Oh, une étoile filante. Faites un feu. Le mien est fait. Le mien aussi. Les mains en l'air, Peabody. Samantha, mais que se passe-t-il? C'est Calamity Jane. Saleté de climat, va me lâcher! Vite, on se fait la belle! Samantha! Samantha! Revenez! Ah, chut, mon talon! Vous êtes une hors-la-loi, je dirige un pénitencier. Qu'importe, l'amour sera plus fort. Mais vous avez pas encore compris, je suis pas Samantha, je suis Joe! Joe Dalton et je suis un garçon! Et alors? Personne n'est parfait. Oh. Oh. Joe Dalton est une femme? On bouge plus! Allez, les Dalton, on rentre! T'as toujours eu un côté féminin, Joe! Tu sais ce qu'il dit, mon côté féminin? Pour nous évader, on doit avoir quelqu'un dans le pénitencier qui nous aide. Mais qui? Mais pourquoi elle nous aiderait? Mais parce qu'elle serait amoureuse! Exactement! Il faut la séduire. Ça va être dur. Je veux bien me sacrifier. Moi aussi! Moi aussi, alors? Non, non, pas question! C'est à moi de me sacrifier. J'ai des plus belles proportions que vous. Bonjour, les garçons! Mademoiselle Betty! Vous avez perdu votre mouchoir. Maintenant, montrons-lui que je suis un athlète. Pause, Joe.
je suis crevé. C'est pas grave, Dio. Au contraire, dans mon almanach, à comment séduire une pionnière, ils disent que si tu les fais rire, c'est bon. Puis-je soutenir l'anse de votre joli palmier? Vous êtes très aimable. Je vous en prie. Je vous en prie. Elle n'est pas assez amoureuse. Il faut changer de stratégie. Ils disent que les femmes adorent les voyous. Ça les fait frissonner. Moi, je suis un voyou. Bon, je dois taper sur qui d'autre pour la séduire? Troupeau de bisons qui charge. Promenade! Mettez-lui quelque chose. Il faut lui parler d'elle, Joe. Lui faire des compliments. Prends-lui la main. Il m'abandonne. C'était une ruse pour me perdre dans le désert. Baisse pas les bras, Joe. Tu peux y arriver. Mais c'est rien qu'un mauvais moment à passer, Joe. Pense que c'est pour s'évader, ça vaut le coup. C'est vrai, c'est pour l'évasion. Allez, dites-moi ce que je dois faire. Apprendre ça par cœur. Vos yeux sont comme des... framboises. Mais non, vos lèvres sont comme des framboises. Le bleu de vos yeux est aussi profond que... des framboises? Mais non! Que l'océan, Joe! L'océan! C'est quand même pas la mer à boire, Joe! Vos lèvres sont aussi bleues que les framboises de vos yeux. Ah! Non! C'est quoi déjà? Mademoiselle Betty! Vos lèvres sont comme des lacs de montagne dans lesquels... Joe, vous croyez m'aimer, mais ce n'est qu'une illusion. Et puis moi, je ne vous aime pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Ah! Je passais et j'ai vu. La grande blonde de Snob, fais-lui boire cet élixir. Entre un petit moche pas dégourdi, faut s'entraider. Oh, dis donc, c'est quelque chose. Mademoiselle Betty, puis-je vous offrir un cocktail? Oh, merci! Délicieux! Un peu amer, mais délicieux. Ok, on s'embrasse et on s'évade, ou on s'évade direct? Mais vous êtes fous! Jamais je n'aurai ce genre de rapport avec un détenu! T'en fais pas, Joe. Il y a une femme pour toi dans ce monde. Oui? Une toute petite, petite Madame Joe Dalton? Ouais, aussi moche et aussi pas dégourdi que toi. C'est beau, l'amour. C'est pas possible! On a mesuré deux fois la distance! Ah, c'était pour ça la ficelle? Parce que j'en ai coupé un bout pour mon Scooby-Doo! Ah. Bingo!
vu ni connu. Meilleur vœu! On est entré dans la mine du cochon! Il y aura des nems à la cantine alors! À l'occasion du Nouvel An chinois, M. Ming Li Fu va nous initier à la culture de son pays. Il a besoin de volontaires pour l'aider. Faites parler votre cœur, voyons. Tendez la main à ce grand peuple qui a inventé le cerf-volant, les nems et la poudre à canon. Les nems. Je suis sûr que le chinois a tout un stock de poudre à canon. Et qui dit poudre à canon, dit poudre d'escampette. Alors, des volontaires? Il y aura des nems? Avril! Aïe! Monsieur Ming Li Fu va nous montrer comment ses ancêtres cultivaient l'art de se défendre. Des volontaires? Avril! On le massacre et on pique l'explosif quand il est à l'infirmerie. Hein? Pour trouver la voie du Kung Fu, il faut acquérir l'élasticité du crapaud. Et la puissance du buffle. Sans oublier l'intelligence du singe. Hein? Et maintenant, vénérable public, je vais imiter la férocité d'une maman tigre dont les petits sont menacés. Bravo! Et maintenant, la démonstration de médecine chinoise. J'ai besoin d'un cobaye parmi honorables repris de justice. Quoi? L'acupuncture fait circuler énergie en stimulant point névralgique. En piquant clavicule, j'en libère retenue. Oh! Oh! Pour expulser virus grippal, je stimule nerf nasal. Sympa l'acupuncture, mon nez débouché. Riz gluant au miel. Attention, très gluant. Il commence à me courir avec ses chinoiseries. Bon, ben, je vais chercher la sauce piquante. Rouleau de printemps à la mode Dalton. T'as la sauce piquante, Joe? Boum! Vieille plaisanterie chinoise avant traditionnelle danse du dragon. Ming Li Fu pas pu résister. Bonnie, c'est le moment de faire parler la poudre. Fais gaffe, Joe, c'est plein de riz gluant. T'inquiète. Les effets spéciaux sont superbes. Votre initiative d'échange culturel est une réussite, Mademoiselle Betty. Direction la porte et que ça saute. Une énorme saucisse grillée. Arrêtez-les et je double vos primes. Ouvrez la porte ou j'explose le petit personnel. Oh! Je ne céderai pas à cet odieux chantage. Et on pourrait peut-être négocier. Hors de question, c'est du bluff. Il n'a pas l'air de bluffer, là. Soyez sans crainte, si vous mourrez, vous serez indemnisé. Ok, vous l'aurez voulu. Ça colle. Je peux plus l'enlever. Riz gluant ne
décolle jamais. Aidez-moi. Misérable moustachu à rayures s'est trompé d'explosif. Ça, c'est bouquet final pour feu d'artifice. C'est pas juste.